Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cuisine de Fadila. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle recette d'un lait végétal, le lait d'amande maison. Une recette très simple à réaliser. C'est un lait qui est plein de nutriments, il remplace bien le lait d'origine animale. Le lait d'amande convient parfaitement pour les personnes intolérantes au lactose, pour les végétariens, les véganes ou tout simplement pour une consommation de tous les jours. Pour réaliser un lait d'amande maison, il va nous falloir 100 g d'amande et de l'eau pour le trempage. Dans une cuve ou un grand bol, je vais verser les amandes et je vais couvrir avec de l'eau. Et je vais laisser tremper pendant 12 heures minimum. Moi, je le fais la veille pour le lendemain. Le lendemain, je lave bien les amandes. À cela, je vais rajouter 600 ml d'eau et une demi-cuillère à café de poudre de vanille. Pour réaliser le lait d'amande, je me sers d'un extracteur de jus. Je verse une partie d'amande trempée et je verse une partie d'eau et ainsi de suite jusqu'à épuisement des quantités. Et entre-temps, je vais rajouter également la demi-cuillère à café de poudre de vanille. Et si vous n'avez pas d'extracteur de jus, vous pouvez réaliser votre lait d'amande dans un blender. Donc dans le blender, je vais verser les 100 g d'amande trempée. Je vais rajouter la demi-cuillère à café de vanille liquide et je vais rajouter l'eau. Et je mixe bien quelques minutes. Ensuite, je vais filtrer le lait d'amande dans une passoire dans laquelle j'ai placé une compresse stérilisée. Et je verse le lait d'amande dans des bouteilles que je referme et je place au frais. Et pour les résidus d'amandes qu'on appelle également okara, vous pouvez les faire sécher dans un four préchauffé à 100 degrés pendant 1 heure et demie, les laisser refroidir et conserver dans une boîte hermétique pour une utilisation ultérieure, dans des gâteaux, biscuits, etc. Le lait d'amande maison se conserve 5 jours dans un réfrigérateur. N'oubliez pas de le secouer à chaque fois avant utilisation. J'espère que la recette vous a plu. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la partager, à la liker. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ma page fan Facebook, mon blog. Suivez-moi également sur Twitter et Instagram. Merci et à très bientôt pour une nouvelle gourmandise.